Bonsoir à toutes et à tous. On est sur l'île Mode et comme chaque mardi soir, on a le plaisir de se retrouver avec le Rav El Kayam pour nous parler de la Tfila. On est donc déjà au 9e cours et avec un sujet passionnant, je n'en dis pas plus. Rav El Kayam, à vous la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Alors, c'est vrai qu'on a une petite pause là avec Pessah et ça nous a permis de voir autre chose, d'écouter beaucoup d'autres shiurim sur l'île Mode également, des shiurim de haut niveau, des shiurim vraiment qui nous ont transportés dans le monde de Pessah et aujourd'hui, enfin hier plus exactement, nous étions aujourd'hui Yom HaShoah, donc dans une autre perspective qui est moins réjouissante, mais pas moins importante dans notre conscience de notre identité. Alors voilà, bienvenue à tous et à toutes. Bonsoir Dani, bonsoir Moria. Le titre du shiur de ce soir, après avoir étudié la tfila de Hana, eh bien, on va voir un peu plus dans le général sur le concept de la tfila et la question qui est posée ici, est-ce que la tfila ne serait-elle pas une atteinte au respect de Hachem? Alors, ça a l'air bizarre comme question, mais vous allez voir que finalement, ce n'est pas une question que j'ai posée par moi-même uniquement, c'est une question que beaucoup se posent et le premier que j'ai recensé avoir posé cette question dans des livres, eh bien, c'est le Maharal de Prague lui-même qui disait, entre autres, on verra aussi le Rav Dov Ber Soloveitchik, qui disait que finalement, à quoi bon prier? Bon, on a vu la prière de Moshe, on a vu la tfila des Avot, on a quand même emmagasiné quelques connaissances sur la définition que la Torah veut nous inciter à adopter pour ce qu'on appelle la prière d'une façon générale, la tfila. Et malgré ça, eh bien, on peut tout de même se poser la question à quoi bon prier ? Le Maharal pose la question de cette façon, en disant finalement, si l'homme qui prie mérite ce qu'il demande dans cette tfila, s'il est méritant de ce qu'il demande, donc si ce qu'il demande le revient de droit, eh bien, à quoi bon prier ? Puisque ça lui revient de droit, eh bien, Dieu devrait le lui donner sans qu'il ait à prier. Et puis, d'un autre côté, si ce qu'il demande ne lui revient pas de droit, il ne le mérite pas. Alors, à quoi bon prier ? Qu'est-ce que cette fille-là va apporter de plus pour obtenir ce qu'il désire, ce qu'il demande à Hachem? Une question toute bête finalement, mais je suis sûr que beaucoup se sont posés, à part le Maharal. En tout cas, ce qui est important, ce qui sous-tend à ces questions du Maharal, c'est qu'il paraît, là, de ces questions-là, que ce qu'on entend par tfila, c'est ce qu'on appelle en hébreu une bakasha. C'est-à-dire une requête, une demande. C'est-à-dire que prier Dieu, faire une tfila à Hachem, c'est lui demander quelque chose. Être demandeur. Ouais. Formuler une requête. On connaît d'autres rituels de prière dans d'autres religions, dans d'autres communautés, où finalement, on ne demande rien dans la prière. On ne fait que louer, qu'adresser des bonnes choses à Hachem. Mais on ne demande rien. Et peut-être que même le but en soi de la tfila serait en soi le shevach, au contraire, c'est-à-dire la louange à Hachem. Non, le Maharal, à travers ces questions qui remettent en question tout l'ensemble de la tfila, eh bien, admet d'emblée qu'une tfila, c'est avant tout une bakasha. D'ailleurs,
On l'étudiera un peu plus en détail la prochaine fois, puisqu'on va attaquer la structure de la Amida, le texte même du cœur même de la prière juive, qui est la Amida. Et le Talmud nous dit, bien, c'est le texte que vous avez, si vous l'avez sous les yeux, j'espère, le petit Aleph. C'est une citation donc, du Talmud de Brachot, qui nous dit « Rishonot domé le Eved chez Mesader Shevach lifne Rabo » Comment se présente la Amida? Comment se présente la prière type du juif? Eh bien, tout au début, les premières bénédictions que compose ce texte-là, eh bien, l'homme se présente comme un serviteur qui présente devant Hachem ses louanges, ouais, comme un serviteur devant son maître. Et puis ensuite, Emtsaïot, il en arrive aux bénédictions intermédiaires, à travers lesquelles, Domé le Eved Shemvakesh Pras Merabo, à travers lesquelles il ressemble à un serviteur, toujours devant son maître, mais qui est là pour lui adresser une requête. Et puis, enfin de Amida, Acharonot, Domé le Eved Shekibel Pras Merabo, Viniftar Veolechlo. Eh bien, il semble être un serviteur qui a obtenu gain de cause, qui a obtenu ce qu'il voulait, et donc eh bien, il fait la révérence. En gros, il remercie, il fait encore quelques louanges, mais des louanges non pas qui sont des introductions, mais plutôt une conclusion, une séparation du maître. Eh bien, nous avons ici en résumé donc, toute la Amida, Shevach Bakasha Oda'a, ce que les maîtres du Talmud appelé Shevach, louange, Bakasha, demande, Oda'a, remerciement. Eh bien, de ces trois, ce qui se trouve au cœur même de la prière, c'est la Bakasha, c'est vraiment la demande. Donc, prier, se tourner vers Hachem pour formuler une tefila, eh bien, c'est lui demander quelque chose. Et donc, comment comprendre que finalement on peut très bien demander quelque chose à Hachem qui nous revient ou qui ne nous revient pas, ça il faudra, on va y arriver au cours du shiur. Qu'est-ce qu'on demande véritablement dans notre tefila? Est-ce que c'est de l'ordre de ce qui nous revient ou de ce qui ne nous revient pas? Mais a priori c'est plutôt quelque chose qui ne nous revient pas. Et le Rav Soloveitchik ira encore plus loin en disant, mais finalement, l'homme, depuis des millénaires, ne cesse de prier. Il prie jour et nuit. Il prie chez les Juifs trois fois par jour, chez d'autres encore plus, ou moins. Mais tout de même, il prie, il n'arrête pas de prier. Mais c'est quoi cette chutzpah-là? Est-ce que l'homme serait capable d'aller se présenter chez son roi ou chez son boss, chez son directeur, à tout bout de champ, lui formuler des requêtes et lui dire, voilà, j'aimerais ça, j'ai besoin de ça, et pas seulement, mais supplier et continuer, revenir sur les demandes qu'on a déjà formulées la veille. Mais d'où émane cette attitude que l'homme a, et l'homme juif en particulier, vis-à-vis de Hachem? C'est les questions introductives à ce shiur, c'est des questions finalement de fond sur la tefila, et à travers les sources que nous allons voir, peut-être pour terminer encore avec le questionnement, ce verset de Echa, qui est en source petit bête chez vous, Lamentation, donc le texte que nous lisons à Tisha B'Av, dans lequel il est écrit « Mayit onen adam chai, gever al chata'av » C'est une question qui n'est pas formulée ni par le Maharal ni par le Rav Soloveitchik, mais beaucoup plus loin dans le temps, par le prophète Jérémie lui-même. « Maïtonen, pourquoi donc se plaindrait l'homme sa vie durant, l'homme chargé de péché ?» Si on ajoute à toutes les questions qu'on a déjà vues précédemment, eh bien Jérémie en ajoute une autre. Finalement, l'homme qui est lui-même rempli de Averot, de faute, mais qu'est-ce qu'il a encore à se plaindre? Qu'a-t-il encore à demander à Hachem? Qu'a-t-il à espérer de plus?
Et le Talmud commente ce verset en disant finalement, Maïtonen, Dai Sheuchai. Le verset, les maîtres du Talmud voient dans ce verset un mot qui est en trop. Et si je vous demande, d'après vous, lequel, est-ce que vous seriez capable de me dire quel mot ou quel mot, c'est plutôt en hébreu qu'on va le deviner plus facilement. Est-ce qu'il y en a qui sont capables de retrouver dans ce verset un mot qui a priori serait superflu dans ce verset? Le mot chai. Le mot chai, évidemment, le mot chai. Yirmiyahu nous dit, mais pourquoi donc se plaindrait l'homme sa vie durant? Bien évidemment, l'homme ne va pas se plaindre s'il n'est plus en vie. Donc, sa vie durant. Maïtonen Adam Chai. Bien évidemment qu'il est vivant, sinon il ne peut pas prier. Les morts ne prient plus. Et alors le verset nous dira, alors le Talmud commentera de cette façon, disant, Maïtonen Adam, Dai Sheu Chai. Ça lui suffit déjà d'être en vie. Ça ne lui suffit pas d'être en vie encore. Il a besoin de demander la santé et demander encore l'intelligence et demander le bien-être et tout ce dont finalement on a besoin pour vivre correctement. Mais Jérémie dira, le prophète Yirmiyahu dira donc finalement, mais de quel droit nous pourrions demander toutes ces choses à Hachem? Alors évidemment, on pourrait peut-être encore ajouter dans cette liste d'autres questions sur la tefila. Comment ça se passe, etc. Il y aurait une foule. On va déjà s'arrêter là pour essayer de comprendre un peu plus. Le Rav Aaron Lichtenstein, qui était le gendre du Rav Soloveitchik de New York, a donné un cours magistral sur la pensée du Rav Soloveitchik sur le concept justement de la tefila, et une partie de ce cours est inspirée de ces enseignements. Et il disait que finalement, on peut porter sur l'homme deux regards diamétralement opposés. Donc, d'un côté, nous avons l'homme qui dirige la planète, l'homme qui est capable de faire des choses extraordinaires, des choses grandioses. L'homme, à travers les temps, a fait des découvertes et transformé carrément la vie de la planète, de sorte à ce que si un de nos ancêtres qui aurait vécu quelques siècles en arrière se relevait aujourd'hui, eh bien, se demanderait véritablement s'il est toujours sur la même planète. L'homme est capable de faire des choses extraordinaires. Il a un pouvoir a priori énorme. Mais d'un autre côté, l'homme est aussi souvent tellement fragile. L'homme est une créature sensible. C'est une créature, bien sûr, et on le voit encore plus aujourd'hui, en ce moment, avec ces confinements dans lesquels nous sommes résolument repliés sur nous-mêmes. L'homme est fragile. La vie de l'homme ne tient à pas grand-chose, finalement. Il y a deux regards sur l'homme qui sont diamétralement opposés. Et nous disait le Rav Soloveitchik que de cela également émanent deux regards sur la tefila. Deux regards de l'homme, une double dimension non seulement de l'homme, mais également de son rapport avec Hachem, à travers la tefila. D'une part, c'est ce qu'on a commencé à voir avec les questions du Maharal de Prague, à travers la bakasha, à travers cette quête de bien-être que Hachem adresse que l'homme adresse à Hachem, eh bien, l'homme exprime sa dépendance vis-à-vis de Hachem. L'homme s'adresse à Hachem parce qu'il lui est impossible de se leurrer. Il ne peut pas se surestimer. Lorsqu'il se trouve vis-à-vis de son Créateur, lorsqu'il se trouve devant Hachem, eh bien, il n'y a plus d'autre réalité qui compte
que celle qui est, qu'est-ce qu'il est véritablement. Et donc ça, c'est une réalité saisissante. Et il n'est plus l'homme qui est le Tout-Puissant, il se trouve devant son Créateur. Et donc il a quelque part un rôle à jouer qui est celui du demandeur, celui qui va exprimer la bakasha. Et sans cela, il est incapable de continuer à exister. Sans cela, sans cet accord divin, eh bien, il n'y a pas vis-à-vis de, pour l'homme, il n'y a pas en tout cas d'autres sources de vie, et il n'y a pas d'autre adresse à laquelle il pourrait se tourner pour demander ce qui lui est le plus cher. Et donc, il y a cette façon de voir la tefila comme étant véritablement un épanchement du cœur. Donne-moi tout ce dont j'ai besoin, puisque sans toi, je ne suis peu de choses. Et c'est ce que finalement le texte de Devarim, le guimel que vous avez là, va nous enseigner avec l'enseignement des maîtres. Le verset nous dit, c'est un verset que nous récitons deux fois par jour, qui se trouve dans le deuxième paragraphe du schéma, tout au début du schéma. Ve'ayim shamo atishmeu al mitzvotai asher anochi mitzave etchem hayom le'ahava et Hashem Elohechem ulovdo bechol levavchem uvchol nafshechem. Si vous êtes docile aux mitzvot que je vous impose en ce jour, aimant l'Éternel votre Dieu, le servant de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie opportune et encore bien d'autres choses. Sur ce verset, le Talmud, en source d'Alet, interprète et il dit, voilà, Tanya, c'est ce que nous avons appris dans la Braïta, c'est-à-dire un enseignement qui est un enseignement rabbinique de l'époque de la Mishnah. Et cet enseignement disait, sur le verset que nous venons de citer, Le'ahava et Hashem Elohechem ulovdo, aimer, si vous écoutez mes mitzvot, donc à savoir d'aimer Hashem, votre Dieu, et le servir. Sur cette expression, le Talmud pose la question, ou le ovdo, le servir, de quoi s'agit-il quand le verset nous dit, vous aimerez Hashem de tout votre cœur et vous le servirez. Vous aimerez Hashem et vous le servirez de tout votre cœur. De quel genre de service s'agit-il? Et alors, deux options. Zotfila ou Inoela Avoda. Est-ce qu'il s'agit ici du devoir de prier, de la mitzvah, de s'adresser à Hashem chaque jour et de prier? Ou alors, non, c'est la Avoda, c'est le service, c'est-à-dire le service qui comprend toute notre vie finalement. Servir Dieu, pas seulement lorsqu'on est à la synagogue ou lorsqu'on est en prière, mais même lorsqu'on est au travail ou dans n'importe quel domaine de notre vie, servir Hachem d'une façon, une formule très générale. Et alors le Talmud répondra, Talmud Lomar, voilà que le verset continue et nous précise les choses en disant, Bechol Levavchem, de tout votre cœur. Et le Talmud dit, Ezo Avoda Shehi Balev, est-ce qu'il existe un service que nous pourrions rendre à Hachem et que nous ferions de tout notre cœur? C'est un service qui ne se fait pas nécessairement par un de nos membres, mais de tout notre cœur, le service du cœur. Eh bien, conclut le Talmud, « Eve Omer Zotfila ». Et il y a là, ici, dans ce verset contenu, eh bien, l'allusion au devoir de prier. Mais la Torah ne nous demande pas de prier. La Torah nous demande de servir Hachem de tout notre cœur. Et c'est ce que les rabbins ont compris par le biais de la tefila. C'est-à-dire que lorsque nous prions, eh bien, nous sommes censés servir Hachem de notre cœur. On s'est un peu éloigné de la définition
à laquelle on tendait tout à l'heure à propos de la bakasha, puisque servir Hachem, il faudra encore définir ce que ça signifie, mais a priori, ce n'est pas lui demander quelque chose. Quand je sers quelqu'un, je lui apporte plutôt quelque chose plutôt que je lui en demande. Mais enfin, c'est ici, en tout cas, la source même de la tefila que les rabbins du Talmud ont trouvé dans la Torah, la seule source, parce qu'il n'y a pas d'autre verset dans la Torah où la mitzvah de prier est formellement écrite. Et donc, il faut nous contenter de ce verset et comprendre que servir Hachem de tout son cœur, eh bien, ça veut dire qu'à travers cette tefila, l'homme est entièrement au service d'Hachem. À travers cette tefila, et le Talmud analyse aussi « Bechol levavecha » ou « levavechem » par ce double « bet » qui est contenu dans le mot « dans ton cœur », il y a là une allusion à la plénitude même de l'être humain. L'être humain est un être humain en ce sens qu'il a le choix, il a le libre arbitre. Il est toujours devant un choix, à savoir est-ce que je vais dans cette voie ou dans cette autre voie, dans cette voie qui me rapproche de Dieu ou dans celle qui m'en éloigne. Ce qu'on appelle dans le langage du Talmud, le Yetzeratov, Yetzerara. Et alors là, finalement, lorsque Dieu nous demande de le servir, eh bien, c'est le servir pas seulement avec le Yetzeratov, mais également avec le Yetzerara. Ça veut dire avec toutes les composantes et toutes les tentations que l'homme a dans son cœur, eh bien, il vient avec tout cela devant Hachem et puis il offre son service. Ça veut dire qu'au-delà de tous ces choix, il y a une soumission que l'homme est censé apporter à travers la tefila. Ça veut dire que lorsque je prie, je ne prie pas pour obtenir quelque chose pour moi-même, mais je le fais dans le but d'obtenir, oui, quelque chose, mais dans le but de servir Hachem. Et c'est ça le Avoda Shebalev. Servir Hachem, prier dans le sens de servir Hachem, ça veut dire je ne demande rien à Hachem afin de jouir de sa bénédiction dans ce bas monde, qui serait en soi une contradiction avec le fait de le servir. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre ici la source de cette mitzvah de tefila qui est déduite de ce verset, Avoda Shebalev. La raison de ma tefila n'est pas dirigée vers moi, mais vers le service envers Hachem. Et donc, dans sa réponse, un peu plus loin, je ne vous l'ai pas mis dans les sources ici, ça ferait un peu trop, le Maharal répond quand même lui-même à ces questions en disant que lorsqu'on s'adresse à Hachem pour lui exprimer une bakasha, eh bien, ce n'est pas une bakasha, on ne lui demande pas notre salaire. On ne lui demande pas de nous donner ce qu'on pourrait considérer comme un dû. Non. La tefila, par les maîtres du Talmud, d'une façon générale, est souvent appelée rachamei, c'est-à-dire l'attitude de compassion vis-à-vis de l'homme. On fait appel à la rachamim d'Hachem. Dans notre tefila, on ne fait pas appeler au jugement de Dieu. Même si on avait vu dans les premiers cours qu'il y a dans le terme lehit palel, prier, cette notion de se remettre soi-même en question. Il y a une exigence de l'homme qui prie à lui-même se poser la question véritablement, ce que je demande, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je peux vraiment le demander? Est-ce que je suis à même d'exprimer cette demande? Est-ce que c'est quelque chose qui ne serait pas de l'ordre, comme on disait, de la chutzpah? Malgré ça, nous dit le Maharal, eh bien, il y a dans la tefila cette dimension à demander à Hachem, effectivement, je ne suis peut-être pas méritant de tout ce que je te demande, mais j'en ai besoin. J'en ai besoin pour pouvoir te servir. Alors, au nom de ta rachamim, eh bien, voilà, accorde-moi. Accorde-moi tout ce que je te demande. Et donc, cette tefila est dirigée
dans ce sens-là, comme une bakasha, comme une demande de grâce, quelque part. Grâce, pas dans la notion habituelle chrétienne des choses, mais la grâce, ça veut dire accorder quelque chose qu'on ne mérite pas, peut-être encore maintenant, mais qu'on est appelé à mériter. C'est ce fameux crédit dont on avait déjà parlé dans un des derniers cours. D'ailleurs, excusez-moi, je dois brancher mon appareil. Voilà, problème de batterie. C'est bon. Allô, vous êtes toujours là? Voilà. D'ailleurs, je disais, les Chachamim, à post-talmudique, se sont attelés à la tâche de nommer les 613 commandements. Alors, le Talmud nous dit effectivement, il y a dans la Torah 613 commandements, 248 positifs, 365 qui sont négatifs. Mais la Torah ne dit pas, voilà, commandement numéro 1, 2 points, commandement numéro 2, etc. Il a fallu un long travail pour Maïmonide, qui est un des premiers à avoir fait ce travail, de recenser, d'abord de définir les critères qui font qu'un des versets de la Torah est considéré comme une des 613 mitzvot ou pas. Et il y a eu plusieurs rabbins qui se sont attelés à cette tâche. Comme je disais, Maïmonide est le plus connu de tous. Il y en a eu d'autres, et parmi lesquels il y a Nachmanide, Rambam et Ramban. Alors, dans son décompte des mitzvot, le Rambam compte la mitzvah de prier. La mitzvah de prier chaque jour fait partie des 613 mitzvot que la Torah nous impose. La Torah ne nous impose pas de prier un certain nombre de fois. Alors oui, les rabbins ont ensuite codifié, ils ont, on va dire, aménagé cette mitzvah en la structurant, en fila le matin, l'après-midi et le soir. On en a parlé avec les avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. On va revenir sur ce texte en fin de shiur. Mais tout de même, c'est une prière, c'est une tfila, c'est une mitzvah que d'adresser une tfila au moins chaque jour, une mitzvah de la Torah. Ce à quoi Rav Nachmanide répond, je ne suis pas d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord quand on s'appelle Nachmanide, mais le Ramban, lui, dira, il existe effectivement une mitzvah de prier. Ce n'est pas étranger à la conception de Nachmanide. Pour lui, ce qu'on a vu tout à l'heure dans la référence celle qu'on vient de voir juste maintenant, dans le Talmud Ta'anit, le Ramban ne voit pas une mitzvah véritablement dans la Torah. Effectivement, la Torah nous demande de servir Hachem de tout notre cœur, mais c'est une mitzvah très générale. Et le Talmud, effectivement, parle de prier, mais enfin, c'est les rabbins qui commandent comme ça. Alors, il est vrai que Nachmanide lui-même priait aussi 3 fois par jour, là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais pour lui, c'était une mitzvah que les rabbins ont imposée, et pas la Torah. Par contre, il existe une mitzvah de la Torah pour Nachmanide de prier, mais pas tous les jours. Alors, quand? Eh bien, pour Nachmanide, il existe une mitzvah de prier lorsqu'on se trouve dans une situation de tsara, dans une et tsara, ce qu'on appelle un moment difficile, un moment où on se trouve incapable de trouver une solution à un problème existentiel. Je ne sais pas, ouais, la situation d'aujourd'hui du corona, par exemple, pourrait très bien rentrer dans ce cas de figure pour Nachmanide, où il dirait, aujourd'hui,
étant donné que nous sommes dans une situation d'épidémie, eh bien, nous avons la tfila, nous avons la mitzvah que la Torah nous ordonne de prier. Mais si nous ne sommes pas dans une situation de guerre ou de danger, etc., eh bien, il n'y a pas véritablement de mitzvah de prier. Sauf que les rabbins l'ont demandé, alors on le fait. Et le Rav Soloveitchik a réussi à mettre d'accord quelque part les deux rabbins d'une façon extraordinaire, je trouve, et, en disant que Maïmonide aussi pense tout à fait que la Torah nous demande de prier quand on est dans une situation de détresse. Sauf que quand l'homme réfléchit sur sa situation, l'homme prend conscience de sa faiblesse, eh bien, il n'existe pas de moment où il n'est pas en moment de détresse. Il n'y a pas un moment dans notre vie qui ne soit pas un moment de détresse pour Maïmonide. Ce qui fait dire à Maïmonide, finalement, que nous sommes des demandeurs vis-à-vis de Hachem à chaque moment de notre existence. Il y a un devoir de s'adresser à lui pour répondre à notre quête de vie, à notre demande de pouvoir continuer à le servir, qui entraîne que cette mitzvah de prier, finalement, elle est continuelle. Elle est chaque jour de notre vie. C'est en fait ce que disait quelque part le roi Salomon. Melech Shlomo HaMelech dans le livre des Proverbes, à la source numéro 5 que vous avez devant vous, où il est écrit la chose suivante: Messir ozno mishmo a Torah, gam tfilato to'eva. Fermez l'oreille au leçon de la loi, votre prière même devient un acte abominable. Donc il existe une sorte de tfila qui est une abomination. C'est incroyable. Imaginez une personne qui se met à prier devant Hachem et vient le roi Charles Solomon lui dit: mais c'est une abomination que tu es en train de faire. Oui, il peut arriver des situations étonnantes où les gens sont persuadés d'être exactement dans le droit chemin de ce que Dieu attend d'eux et de ce que l'humanité attend d'eux, et ils sont dans l'abomination. Mais ça veut dire quoi? Prier lorsque on ferme ses oreilles à la Torah. Mais si rosno, ça veut dire la personne non pas qui n'a pas eu la chance d'apprendre, mais la personne qui s'empêche, qui se bouche les oreilles pour ne pas en entendre les paroles, la parole de Hachem, la parole de Torah, la parole engageante de Hachem. Celui qui prie en s'imaginant qu'il n'est pas soumis à l'ordre divin de respecter sa parole, eh bien, pour le roi Salomon, cette tfila, même la tfila la plus belle, avec les teilim les plus joliment exprimés et chantés, ne sont qu'une abomination. Pour Shlomo HaMelech, l'homme qui prie de cette façon, eh bien, revient à dire que la finalité de sa vie se limite à sa vie matérielle dans ce monde. Voilà. Les plaisirs que ce monde peut lui apporter. Voilà. Mais ce qui est du domaine de l'exigence spirituelle, cette quête à s'améliorer au niveau moral, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Dans cette conception des choses, la tfila de l'homme devient vraiment une abomination, puisque l'objet de cette tfila, eh bien, c'est ce qui va l'éloigner, c'est ce qui va éloigner l'homme d'Hachem. Et donc, c'est comme si l'homme n'avait besoin de Hachem que pour assouvir ses désirs personnels, et c'est en soi une conception égoïste, une conception qui élimine l'autre, qui élimine Dieu finalement, et qui n'aide en rien l'homme à s'élever spirituellement. Une fila qui éloigne l'homme de sa dimension véritable, à savoir celle d'aspirer toujours à se rapprocher davantage d'Hachem.
Alors effectivement, c'est une abomination, parce qu'une abomination, ce terme abomination dans la Torah, il apparaît dans plusieurs contextes. Et le Maharal dira, par exemple, on en avait déjà fait allusion l'autre fois, l'homme ivre qui se met à prier, c'est considéré comme une abomination. Mais c'est quoi l'homme ivre? C'est l'homme qui se donne complètement au plaisir matériel et qui ne voit pas de contre-indication pour autant à demander, à adresser ses demandes à Hachem. Il y a là quelque part une tromperie sur l'identité même de ce que l'homme devrait endosser comme responsabilité vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis d'Hachem. Une abomination, c'est finalement aller dans le chemin qui va prouver finalement que nous ne voulurions pas, que nous avons choisi de ne pas être ce que notre Créateur attend de ce que nous soyons. Et donc, là, il y a sous l'angle de la bakasha, à travers la demande, et tout un monde, effectivement, de la tfila. Mais nous avons vu tout à l'heure qu'il y a deux regards sur l'homme, il y a également deux regards sur la tfila. Il y a le regard de la tfila comme l'expression d'une bakasha, d'une demande, et il y a aussi cette tfila qui est l'inverse, qui est une expression de don, où à travers la tfila, eh bien, l'homme se rend disponible à Hachem. Il se donne complètement, il donne son être. Et la tfila repose sur l'idée que l'homme ne peut pas s'imaginer être un être indépendant, qui ne dépend de personne. Hachem réclame de sa part même pas un engagement partiel, un engagement total. Il demande « bechol levavrem » comme on disait tout à l'heure, un service qui englobe toutes les forces, toute la vitalité de l'être humain. Et il est dit dans un texte du Talmud de Zvachim, un texte extraordinaire, mais qui fait frémir quelque part, qui est cité dans cette étude du Rav Soloveitchik, et qui disait, donc le Talmud se posait la question lorsque nos ancêtres sont revenus de l'exil de Babylone, et ils sont retournés à Jérusalem, reconstruire le temple, construire le deuxième temple. Et alors, ils cherchaient l'endroit, le lieu véritablement où construire toutes les parties du temple. Et alors, le Talmud nous dit, certaines parties du temple étaient encore debout, pas comme les Romains qui ont complètement détruit, labouré l'endroit du temple. Les Babyloniens, eux, avaient laissé quand même certaines choses, certains vestiges. Mais arrivé au lieu du Mizbeach, de l'autel, eh bien, ils avaient besoin qu'on les aide. Alors, le Talmud nous dit, je vais vous le lire. Voilà, Mizbeach. Ils ont vu là-bas, ils étaient accompagnés de trois prophètes et chacun a eu une vision. Et l'un d'entre eux a vu Mizbeach Yesh Bashamaim. Il y a dans le ciel, exactement en parallèle avec le lieu où il s'était rendu à Jérusalem, Mizbeach Yesh Bashamaim. Il existe un autel dans le ciel. Ve'alav Makriv Amalach Michael et Nishmot Atzadikim. Et sur cet autel, l'ange Michael, eh bien, apporte les âmes des Tzadikim, les âmes des justes. Et alors, évidemment, a priori, ce texte est terrifiant. On peut le prendre au premier degré, on peut voir l'histoire d'Israël, on peut voir
on peut y voir également la Akedat Yitzhak, on peut y voir tellement de choses. Et le Rav Soloveitchik expliquait qu'à travers la tefila qui est illustrée ici par le Mizbeach, par l'autel, eh bien, il y a une attente de Hachem à ce que l'homme, eh bien, se considère véritablement lui-même comme entièrement offert à Hachem. Comme nous disons nous-mêmes dans la Amida, Veiché Israël ou Tfilatam Be'avat Akabel Beratzon. Tous les jours, nous disons ça trois fois par jour. À savoir, Ishé Israël. C'est quoi Ishé Israël? Ishé, ce sont les offrandes qui sont consumées sur le Mizbeach, sur l'autel. Mais il comprend Ishé Israël, c'est véritablement les cendres d'Israël, le feu d'Israël, que tu l'acceptes Be'ava et Beratzon, avec amour. Et Beratzon, j'aurais un peu de difficulté à traduire par ta volonté, que soit agréée ta volonté par ce geste-là. Non pas que l'homme s'offre en sacrifice humain, puisque la Torah l'interdit, mais que la tefila manifeste cela, et c'est exactement ce que nous allons voir tout à l'heure, à savoir que la tefila, c'est ce qui remplace l'offrande, les korbanot, les sacrifices qui étaient offerts au temple. Alors qu'il y a là beaucoup plus qu'une bakasha, il ne s'agit pas de demander quelque chose uniquement, mais il s'agit d'offrir toute sa vie, d'offrir le meilleur de soi. Et ce qui nous amène à la référence numéro Vav, toujours dans le Talmud. Cette fois-ci dans Brachot, Keshechala Rabbi Eliezer. Alors, il arriva qu'un célèbre rabbin du Talmud est tombé malade, Rabbi Eliezer, Nichnesu Talmidav Levakero. Et donc, évidemment, ses élèves sont venus le voir, le rendre visite, Amrou, et ils lui ont dit, Rabbeinu, Lamdenu Ochot Chaim, Venizke Bayem Lechaye Olam Haba. Mais notre maître, enseigne-nous les voies de la vie, quelles sont les voies de la vie qui nous mèneront au monde à venir, au monde qui vient, au Olam Haba. Donne-nous ta leçon pour que nous sachions comment gagner notre Olam Haba. Et alors, il leur répond plusieurs choses. Isaharu bikvod chavrechem. Soyez attentionnés au respect de vos amis, au respect de ceux qui vous entourent, de votre travers, de ceux qui vous entourent. Et après cela, kshatem mitpalelim, deu lifnemi atem mitpalelim. Quand vous priez, sachez devant qui vous priez. Et puis enfin, umin ubenechem min haigayon veoshivum ben birkei talmidei chachamim. Et ne laissez pas vos enfants s'adonner à l'expression à apprendre des choses sans les comprendre. C'est ça. Minu benechem minai gayon. Uniquement apprendre des choses qui restent sans signification. Au contraire, faites-les asseoir au milieu de sages qui leur apprennent à réfléchir sur les enseignements de la Torah. Ubishvilkar tizkul lechayolam haba. Et c'est de cette façon que vous serez méritant du olam haba. Alors, un des commentaires du Talmud, le Pnei Yehoshua, voyez dans cette réponse de Rabbi Eliezer les trois fondements du monde sur lesquels le monde repose, que nous avons lu dans les Pirkei Avot la semaine dernière, Shabbat dernier. Vous savez, entre Pessah et Shavuot, eh bien, on a la coutume de lire chaque semaine un chapitre des Pirkei Avot, un chapitre des Maximes des Pères, qui sont des enseignements moraux, philosophiques de la Torah. Et bien la deuxième Mishnah du premier chapitre disait la chose suivante, « Al shlosha dvarim haolam omed » sur trois choses le monde repose, « à la Torah, vers la Voda, vers la Gmelut Chassadim. » C'est en d'autres termes ce que Rabbi Eliezer leur dit ici. Vous voulez gagner votre monde, eh bien sachez que le monde à venir autant que le monde présent, eh bien repose sur ces trois choses. La Torah,
Hein, l'enseignement, l'enseignement de la Torah, ça veut dire la compréhension, l'étude de la Torah, la tefila et la gmilut hasadim, le respect de l'autre. Mais le Maharal s'étonne quand même, il s'étonne de ce conseil. Finalement, Rabbi Eliezer leur dit, bon, sachez respecter chacun son prochain, ça on ne l'aura jamais assez dit, et puis apprenez la Torah, ça aussi. Mais enfin, quand vous priez, sachez devant qui vous priez. Ben, évidemment, quand je prie, ben voilà, je prie devant Dieu. Je n'ai pas besoin, j'ai pas besoin de me poser la question, a priori, mais devant qui je suis en train de me tenir, puisque je suis en train de... Ça paraît évident. Et pourtant, c'est loin de l'être. Le Maharal lui-même répondra en disant, on en arrive au texte suivant, Zayin, « Kol inyan atfila, shehu mitpalel el Hashem itbarach, le fiche ou tsarich el Hashem itbarach, nitla bo itbarach. » C'est une longue phrase. Alors, le Maharal a l'habitude de ces longues phrases. Tout le thème, tout le sujet de la tfila, tout le sens de la tfila réside dans le sens, dans le fait que l'homme qui s'adresse à Hashem pour exprimer ce dont il a besoin, ce qu'il attend de lui, eh bien, à travers cela, il exprime une chose essentielle, à savoir Shehu Nitlabo, qu'il dépend de lui. Le fait de prier signifie « Sans toi, je suis incapable de continuer ma marche. Je suis incapable de continuer à vivre. » Et ainsi, il montre qu'il n'est pas de, comme on disait tout à l'heure, que l'homme ne peut à aucun moment de sa vie se considérer comme un être indépendant. Beatzmo, ki imbo idbarech, si ce n'est par le soutien de Hashem. Ulkar mitpalel elav al kol tzorko, et c'est pourquoi il s'adresse à Dieu pour lui demander tout ce dont il a besoin. Vechasher adam nitlabo idbarech. Et une fois que l'homme a admis cela, qu'il est à la merci de Hashem, kehilu hu nikra velav. Par cela, kehilu, c'est comme si il s'offrait à lui. Shekol asher utole b'acher, car toute personne qui se rend dépendante d'une tierce, eh bien, s'offre quelque part à cette tierce personne. Unikrav nimsar elav, il se donne à lui. Ulfichach atfila y avodag mura el Hashem itbarach. C'est pourquoi la tfila est considérée comme nos maîtres, comme une avoda. Et c'est de ce terme-là même qu'on le déduit de la Torah. Le devoir de prier, en sens que c'est une avoda, c'est en soi véritablement un service. On se met au service. Complètement. Dans ce commentaire, en fait, on peut voir une conclusion à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il y a cette double dimension, et dans ces quelques lignes, le Maharal fait la synthèse de ces deux regards, de ce double regard que l'homme porte, qu'on peut porter, et sur l'homme et sur la tfila. À la fois un être qui est à la merci de Dieu, mais qui demande, parce qu'il est un, il peut rien être d'autre que demander à Hachem, être un demandeur, mais par cela, il offre ce qu'il a de plus cher, hein, il offre sa vie à Hachem. Et je terminerai avec ce dernier, si on a encore le temps, je dirai encore autre chose après, cette source justement des sages qui déduisent, qui disent, vous souvenez, Rabbi Amar Rabbi Yossi, Rabbi Hanina, Amar Tfilot Avot Tiknu. Il y a deux avis différents dans le Talmud, à savoir, nous prions trois fois par jour, mais d'où viennent ces trois tfilotes? Alors, le premier avis, c'était de dire, eh bien, voilà, Abraham a institué la prière du matin, Yitzhak, celle de l'après-midi, et Yaakov, celle du soir. On avait déjà étudié, on avait approfondi cet enseignement, que ce sont les avotes, ce sont les patriarches qui sont à l'initiative, à l'origine,
de la tfila du peuple d'Israël, du peuple des enfants, des fils. Et il y a l'avis de Rabbi Yoshua ben Levi également, qui nous dit Ama tfilot keneged midim tiknun. Non, c'est pas seulement les avot, mais ces tfilot-là, elles ont un caractère de korban. La tfila, lorsque je suis en train même de demander quelque chose à Hachem, je dois être conscient que je suis en train d'offrir quelque chose. On dit souvent, il n'y a qu'en donnant qu'on reçoit. Eh bien, c'est cela, mais disons, dans une dimension beaucoup plus exigeante et beaucoup plus pleine du don que l'homme pourrait faire à autrui. Bon, c'est déjà pratiquement l'heure de terminer, mais bon, j'aimerais quand même vous lire un petit passage que vous n'avez pas du Nefesh HaChaim. Le Nefesh HaChaim est un livre qui a été écrit par l'élève principal, on va dire, du Gaon de Vilna. Donc c'est un livre qui est en soi un livre de base, un livre important, et dans lequel il consacre pas mal de chapitres à la tfila. Et il dit la chose suivante: Omnam tachlit hakavana tzricha shetiyeh rak tzorech gavua. L'aboutissement, la finalité de la kavana, de l'intention de la tfila, est que tout ce que nous demandons finalement soit considéré comme tzorech gavua. C'est-à-dire dans le but d'apporter quelque chose à Hachem. Comme si on pouvait apporter quelque chose. Ki bemakom sheyesh chilul Hachem idbarach kegon tzarat klal Israël be'emor am Hachem ele ve'em amukim u'meunim mechuyavim levakesh ve'lishpor siach lefanav. Parce que nous avons appris dans un de nos derniers cours sur Moshe Rabbeinu que lorsqu'il y a un chilul Hachem, lorsque le nom de Dieu risque d'être profané, alors l'homme est là, l'homme a le devoir de s'adresser à Hachem pour empêcher cela. On se souvient de la tfila de Moshe après la faute du Vaudor, qui était une tfila pour que le nom de Hachem lui-même ne soit pas un chilul Hachem, ne soit pas insulté dans ce monde. Et finalement, je ne veux pas continuer encore un peu plus loin, encore plus, parce que c'est déjà l'heure, mais le Rav Chaim Volojine donc voit dans la tfila, le don que nous faisons à Dieu, c'est que son nom soit béni dans ce monde, que son nom soit reconnu dans ce monde. Et c'est l'inverse. La tzara dont parlait le Ramban ou le Rambam, selon le Rav Soloveitchik, à savoir qu'on prie lorsque nous sommes dans une situation de détresse, on prie également quand le nom de Dieu est dans une situation de détresse. C'est un peu cet esprit dans lequel nous sommes demandés d'adresser nos bakashot, nos demandes vis-à-vis de Hachem, afin que son nom soit reconnu et ne soit pas bafoué dans le monde. Voilà. En conclusion, ce que je voulais dire à propos de cette question, est-ce que cette fila, quel est le bien fondé de notre filote? Est-ce qu'il y a un sens véritablement à prier? Oui, mais c'est une avoda. Oui, mais ce n'est pas quelque chose qui est évident. C'est pas... Comme disait Rabbi Eliezer, sachez devant qui vous priez. Quand vous vous mettez à prier, eh bien, c'est un service qu'on est censé offrir, mais c'est également un grand travail sur nous-mêmes. Et le même mot, d'ailleurs, en hébreu, couvre les deux concepts. Avoda. Avoda, parce que c'est quelque chose qui nous demande un effort, d'aller un peu plus loin de ce que les gens comprennent par... Par le concept de prier, mais également une avoda vis-à-vis de Hachem. Voilà, je vous remercie. Et s'il y a des questions, des remarques, eh bien,
je serais heureux de vous entendre. Je crois que c'est la première fois qu'on termine exactement à l'heure. Il y a deux questions. Deux questions. Une question de... Je n'entends pas bien là. On n'entend plus rien en fait là. On m'entend là? Oui, là oui. On entend Shelva aussi. Nous avons de soi. Et la deuxième question, le rapport des femmes à la prière. Alors voilà, elles sont là, elles sont. Non, je ne les vois pas. Je n'ai pas entendu la première question. La deuxième, c'est sur le rapport des femmes avec la prière, oui. Et la première? La première question, c'est quoi le mot corban? Ça veut dire don de soi. Corban? Corban, ça veut dire don de soi. Le corban, c'est une offrande. Corban, c'est traduit par offrande. C'est traduit par sacrifice en général. Mais corban vient du mot karov, qui veut dire proche. Le corban, c'est donc une offrande qui est faite pour en vue d'un rapprochement. Voilà. C'est pas l'offrande qu'on fait, au contraire, pour se débarrasser, comme quand on va payer ses impôts. Voilà, hop, je suis content, ça y est, c'est derrière moi. Non, le corban, c'est quelque chose qui m'invite à un dépassement de moi et un rapprochement de Hachem. Par le biais du corban, eh bien, je suis censé me rapprocher vis-à-vis de Hachem. Le corban en soi n'a pas de finalité, comme dit le prophète. Finalement, Shmuel ou beaucoup d'autres prophètes l'ont dit, Dieu n'a pas besoin qu'on lui offre tout ce qu'il nous a lui-même demandé. C'est du rapprochement qu'il a besoin. À travers cela, il souhaite que nous nous rapprochions de lui. C'est ça le sens du korban. Et quand on dit que la prière, la tefila, eh bien, comme nous disons tous les matins, « Unchalema farim sefatenu », ça veut dire que nos lèvres remplacent les parim, les bœufs, hein, les offrandes qui étaient apportées au temple. C'est ça que ça exprime, c'est que la tefila soit véritablement une compensation de ce don, en vue de rapprochement. Voilà. Puis on m'a demandé, alors c'était quoi pour le rôle des femmes? Eh bien, dans tout ce que nous avons dit, il n'y a aucune distinction entre le rôle de l'homme et de la femme dans son rapport avec Dieu à travers la tefila. D'ailleurs, le Rambam lui-même, quand il parle de la tefila, la mitzvah de prier, c'est une mitzvah qui s'adresse à tous, autant aux hommes qu'aux femmes. Il n'y a pas de distinction. L'homme se doit de l'homme est redevable autant que la femme de la vie et de tout ce qu'il a en ce moment et des besoins qu'il a vis-à-vis de Dieu. Là-dessus, il y a aucune distinction. Par contre, il y a des différences dans la concrétisation de cette fila, de cette mitzvah, telle que les rabbins ont ensuite imposé, à savoir prier trois fois par jour, des prières qui sont très longues et des prières pour lesquelles il faut connaître, d'abord il faut se libérer, etc. Donc là, on peut imaginer effectivement que les rabbins aient senti que, suivant les situations, eh bien, une femme qui a des enfants en bas âge, etc., ne peut pas se libérer pour prier trois fois par jour. Et donc, c'est l'idée que les femmes ne seraient pas soumises à prier trois fois par jour. Mais dans l'essence même de la tefila, de cette mitzvah, il n'y a aucune distinction entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, une femme qui a l'habitude de prier, qui a pris sur elle de prier trois fois par jour, se doit de prier trois fois par jour comme un homme. Et d'ailleurs, s'il a oublié une de ces tefilotes, eh bien, il devra la remplacer, il devra la faire le lendemain. On fait la compensation, les tâches soumises au même titre qu'un homme. Voilà. Donc là, je ne vois pas de... Non,
pas de, de distinction de nature, enfin, importante. Vous allez me dire pourquoi. Bon, il y a beaucoup d'autres questions qui dérivent de cela. Finalement, si les femmes sont soumises à la tefila autant que les hommes, alors pourquoi une femme ne peut pas être Shaliar Tzibour ? Pourquoi ? Il y a beaucoup d'autres. Ouais. Mais ça serait peut-être l'occasion de débattre et d'étudier cela en soi, pour soi. C'est pas maintenant qu'on va commencer à parler de toutes ces questions qui sont des questions véritablement qu'il faut poser. Mais qui mérite plus de temps pour peut-être lors d'une autre série de cours. C'est pas prévu là. Maintenant.